Bonjour à tous, c'est Dikran, vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est le unboxing de la boîte collector de Sonic Mania. Voilà une très belle pièce. J'ai l'impression que je suis dans une faille spatio-temporelle. J'ai l'impression d'être dans une dimension parallèle. Je me remémore mon enfance, je me dis qu'au milieu des années 90, si un jour quelqu'un était venu vers moi et m'avait dit « Un jour tu joueras à un jeu Sonic sur une console Nintendo », qui plus est l'un des premiers Sonic. C'est-à-dire que ce Sonic Mania, c'est pas un Sonic en 3D, c'est un Sonic comme à l'époque. Et c'est ça qui est incroyable, il a été développé par une team qui est totalement fan de Sonic, et leur but, eh bien, c'était de recréer le jeu comme à l'époque. Et bah voilà, c'est un rêve qui devient réalité pour certaines personnes qui considèrent même que Sonic Mania est le vrai Sonic 4. Alors voilà, une très belle boîte qu'on va unboxer ensemble. En tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose d'incroyable d'avoir Sonic sur la Nintendo Switch. Ben voilà, c'est vrai que c'est complètement ouf. Hein. Pour tous ceux qui ont été un enfant dans les années 90, eh bien, je pense que vous pouvez me comprendre. Imaginez-vous, vous êtes enfant comme ça, vous avez entre 7, 10, 12 ans, et quelqu'un qui vient vous dire « Un jour, tu joueras à Sonic sur la Nintendo ». Mais c'est complètement hallucinant, c'est complètement ouf. On a vraiment l'impression d'être dans une dimension parallèle. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je trouve un endroit où poser. Je sais pas si je le pose là, vous allez voir. Ah, pas trop, là non plus. Alors, je sens que je vais avoir besoin de ma table à Amiibo. Et ben voilà, très bien. On va pousser un petit peu de côté les Amiibo. Voilà, les Amiibo sont mis de côté. Je vais pouvoir ouvrir, unboxer cette merveilleuse boîte collector de Sonic Mania. Alors là, vraiment, ils ont fait les choses en grand. Hein. Donc voilà, on ouvre. On va essayer de ne pas abîmer cette magnifique boîte. Voilà, c'est quand même assez périlleux de réussir à la sortir sans abîmer. Ah voilà, ça y est, ça sort. Oh là là, faut prendre son temps. On a envie de le garder, hein, ce collector. Surtout qu'il était quasiment introuvable. Ok, là, je suis dans une position périlleuse. Voilà. Donc en fait, c'est une boîte qui est en deux parties. À l'intérieur de la boîte, encore une autre boîte. Voilà, je vais la remettre à l'endroit. Franchement, c'est du beau carton. Hein. C'est lisse, c'est doux, c'est beau, c'est neuf, c'est lavé avec Myrlène. Ça, c'est le carton d'emballage. Je le referme et on va lui trouver une jolie place. Je vous le montre. Sonic Mania Collector, édition Collector, alors c'est la version américaine. Et c'est ça qui est ouf, hein. C'est d'avoir à la fois le logo de Sega et à la fois le logo de Nintendo. C'est complètement taré. On va le mettre là. Parfait. Est-ce qu'on le voit bien? On voit bien. Ok, on passe aux choses sérieuses maintenant. On va ouvrir cette magnifique boîte. C'est incroyable. Je retire le couvercle plastique. Ici, on a le code. Le code pour télécharger ce jeu, parce que malgré cette énorme boîte, eh ben, ça reste un jeu en mode dématérialisé. Donc, il va falloir mettre le code dans le e-shop et télécharger le jeu. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Bah, félicitations, merci d'avoir acheté Sonic Mania. Cette carte contient une clé de téléchargement qui va vous garantir un accès au merveilleux nouveau et à l'incroyable nouveau jeu de Sega, c'est-à-dire Sonic Mania. Pour cela, complétez les 5 étapes suivantes. Étape numéro 1, vous rendre sur le Nintendo eShop. Étape numéro 2, sélectionner le compte que vous voulez utiliser. Étape numéro 3, se rendre sur entrée code sur la partie gauche de l'écran. Et ensuite, entrer le code à 16 caractères en prenant en compte que le O, le I, le Z, la virgule, et les guillemets n'existent pas dans le Nintendo eShop lorsque vous devez mettre un code. C'est toujours intéressant à savoir. Et puis, dernière étape, étape numéro 5, il faut appuyer sur « Confirmer » et le jeu se téléchargera sur votre console Nintendo Switch. Voilà, donc à la base, c'était censé être sur la petite carte que l'on va unboxer dans quelques instants, mais finalement, il nous donne ça sur un bout de papier. Bon, bah, c'est pas plus mal. Hein. On va poser ça là. Alors, je sors la figurine. Voilà, je vais essayer de ne pas l'abîmer. C'est incroyable. C'est vraiment... c'est énorme. Voilà, donc la console Sega avec Sonic dessus. Alors, évidemment, c'est pas une vraie console. Hein. Ça déchire. Ça, on va le placer là-haut. On va le mettre là. Et voilà, très bien.
Et puis on va finir d'unboxer cette magnifique boîte collector de Sonic Mania avec ces deux objets. On a donc une carte métallique, dont voici l'arrière. Et dans cette magnifique boîte collector de Sonic Mania, il y a cette réplique de cartouche de jeu. Alors évidemment, ce n'est pas une vraie cartouche de jeu. Par contre, si on l'ouvre, on peut s'apercevoir qu'il y a un anneau, un ring, comme dans les jeux Sonic. Et voilà, c'est pas en or massif, hein, j'ai pas l'impression. Par contre, c'est assez robuste hein, quand même. Une belle pièce, un joli objet de collection qu'on va replacer là, hop, dans sa cartouche. Magnifique, bah voilà, les deux petits objets collector de Sonic Mania, c'est-à-dire la réplique de la cartouche de jeu et puis la carte métallique que je vous montre dans l'autre sens aussi. Et voilà, on a fait le tour de ce unboxing de cette magnifique boîte Sonic Collector. C'est chez Sega, c'est en rupture de stock, évidemment. Donc bah voilà, bonne chance hein, si vous avez envie d'en dégoter une. En tout cas, voilà un très bel objet collector que je n'ai pas commandé sur Internet. Non, j'ai eu la chance de le trouver en magasin. Mais alors, je ne vous dirai pas lequel. Ça, c'est mon petit secret, je le garde pour moi.